Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Pour ma part, ça peut aller. Ici, c'est Dance Prono pour un nouveau pronostic. Alors, effectivement, le dernier n'est pas passé. Vraiment dommage, je suis déçu parce que voilà, Villarreal avait, Athletic Bilbao avait dominé ce match. Ils étaient menés 0-1 à la mi-temps, on ne sait pas comment. Plus de 70% de possession dans le match et ils ont fait finalement un partout. Donc le pari passe pas. Et pour l'instant, sur le mois de mars, on est en négatif d'à peu près 20-25 euros, en tout cas me concernant. Pour le tennis, les gars, vous inquiétez pas, je pense à vous, ça va arriver petit à petit. Mon pronostic, les gars, pour demain soir, c'est Valladolid-Real Madrid, victoire du Real. J'ai misé 85 euros, donc un ticket de 10 euros et un autre de 75 euros, puisqu'on doit faire comme ça au bureau tabac, pour 51 euros de bénéfice net si ça passe. La cote est à 1,60, franchement, c'est à prendre. Certes, le Real, ils sont dans une énorme crise, ils ont quasiment aucune chance de remporter la Liga, ils ont quasiment tout perdu. Et ils ont également des joueurs blessés, ce qui fait que les gens ne vont pas parier sur le Real. J'ai déjà vu sur le site, en tout cas, pendant mon analyse. Donc le Real coté à 1,60, c'est mon pronostic, les gars. Honnêtement, je ne vais pas vous conseiller de miser aussi gros que moi. Moi, j'ai misé 85 euros, c'est un risque. Mais voilà, je le sens bien, comme le dernier où j'avais misé sur le Real. Victoire sur la pelouse d'Ajax, 1-2. C'était passé, ça ne sera pas toujours, mais voilà. La victoire du Real, pour moi, c'est clair. Ils sont au-dessus de Valladolid. Même si c'est vrai qu'ils ont Bale normalement d'absent et plusieurs joueurs. Mais des mecs comme Asensio, ils peuvent faire la différence n'importe quand. Donc pour moi, c'est victoire du Real sec, les gars. Sur ce, les gars, je vous souhaite un bon week-end. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Un pouce bleu égale un soutien. Ciao, les gars.